J'étais assis sur un fauteuil dans le noir, quand des bruits horribles de torture et de panique ont éclaté dans les taillis devant ma fenêtre. Ce n'était pas un chat et une chatte, mais un chat et un chat. Et au bruit, l'un semblait beaucoup plus gros que l'autre et attaquait avec l'intention de tuer. Puis ça s'est arrêté. Puis ça a recommencé pire. Les bruits étaient si terribles que je ne pouvais plus bouger. Puis les bruits ont cessé. Je me suis levé de mon fauteuil et étais me coucher, me suis endormi. J'ai fait un rêve. Ce petit chat gris et blanc m'est venu en rêve et c'était très triste. Il m'a parlé et il m'a dit « Regarde ce que l'autre chat m'a fait !» Il a grimpé sur mes genoux et j'ai vu les plaies et la chair à vif. Puis il a sauté à terre. Puis rien. Je me suis réveillé à 8h45, je me suis habillé et je suis sorti regarder. Rien. Je suis rentré, j'ai mis 2 œufs dans une cassole d'eau et j'ai allumé le feu.